Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre Let's Play de Cities Skyline pour notre série Capital. Et ça me fait plaisir vraiment de vous retrouver pour ce nouvel épisode, tandis qu'on fait une petite vue sympa, voilà, sur là où nous allons aller ensemble. Hop, et on va commencer à dézoomer. Voilà, donc ça me fait plaisir de vous retrouver. On a plein de petites choses à faire. J'ai vu que vous aviez notamment souhaité que ce let's play continue, voilà, majoritairement. Donc bah écoutez, ça me fait plaisir de voir que c'est toujours un petit peu plus suivi que ce que j'attendais. Ça me fait vraiment vraiment plaisir. Tandis que j'ai rajouté quelques abonnés. Je clique au hasard. Silver Frozen. Bon, la résidence des cerises, à part que si quelqu'un s'appelle résidence de la merci et tout ça et tout ça, y a personne. Nathan Barrez, wouh, hop, on fait un petit point. Swag FD, oulol. Ok, ok, on fait un petit point vite fait. My friend name, ok. Silver Frozen, on a vu tout ça. Alors là, il y a des trucs qui n'ont pas été enregistrés, mais c'est pas grave. Simulateur du 85 qui a dû se voir pour la deuxième fois, du coup. Hein, j'espère que t'es content. Ouais, je pensais en avoir rempli plein, mais ça n'a pas enregistré, je suis désolé. Voilà, 685 encore, tout ça, et ma souris répond qu'à moitié, ça me fait vraiment plaisir. Antoine Ducet, voilà, hop, et là évidemment, c'est un crématorium. Ouais, bienvenue à toi, crématorium. Bref, j'en ai ajouté plein, mais j'avoue qu'étrangement, il doit y avoir un petit souci. Parce que j'avoue les avoir plein, j'en ai mis plein, putain, y'a plus rien! Y'a plus rien! Ah, motherfucker, je sais pas ce qui se passe, on verra ça plus tard. Ok, j'ai toujours la liste dans tous les cas, n'oubliez pas, et je ne vous oublie pas. Ok, alors notre objectif aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de combler un petit peu tout ça, là, et puis commencer une nouvelle ville, voilà, ici, tout simplement, une petite ville sympa, là, voilà, qui peut être sympathique. Vous avez été nombreux à accueillir de manière favorable, tout simplement, cette espèce de rond-point géant autoroute qui est en unisens. Voilà, donc j'espère qu'il va bien fonctionner. J'espère qu'il va bien alimenter aussi cette zone. On va faire en sorte que oui, dans tous les cas. Voilà, parce qu'ici, on est quand même en manque de population, tout simplement. Donc, on va voir ce qu'on peut travailler aussi là-dessus. On va aussi remplir un petit peu les trous. Voilà, et puis bah, je vous dis, c'est parti. Allez, hop, on va commencer à attaquer. Il y a un peu de demande, légère demande. On va déjà accélérer le temps sur des boutiques. Voilà, malheureusement, on est en perte de jauge. Ah, c'est con, mais c'est comme ça. Donc, on va faire un petit quartier boutique ici. Est-ce qu'on est couvert correctement, j'ai envie de dire? Oui, ça a l'air, hein, sur cette zone. C'est une excellente nouvelle. Voilà, parfait. Et on est vraiment bon. On va d'ailleurs mettre un nouveau barrage, je pense. Oulala, mais putain, mais financièrement, je flippe, quoi. Je flippe financièrement, c'est un truc de porc. Tac. Plus d'espace. Putain, déjà plus d'espace, ça craint. Déjà plus d'espace. Ok. Alors là, ça s'installe pas. Des masses. C'est compliqué. Ah, il faut qu'on devienne attractif, hein, les amis. Tac. Il faut qu'on devienne attractif là. Sinon ça va craindre du boudin. Ouais, je sais, j'ai des expressions qui peuvent filer mal au crâne, hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. On va remettre quelques habitations dans le quartier des abos notamment. Tant qu'à faire. Hein? Ça c'est cadeau, c'est pour moi. Hein, voilà. Ok. On a tellement de trucs en demande ici. J'ai un peu blindé le truc. Donc il s'installe vraiment vraiment très très facilement dans la zone dès qu'il y a un truc à faire. Vous voyez, j'ai déjà pré-zoné l'ensemble des bâtiments. Vous voyez, ça se construit vraiment tout seul du coup. Donc c'est vrai que j'ai peu de choses à bosser dans le coin. On a une petite maison là, notamment le mec doit être super heureux. Hein. Regardons le plan qu'il a, le gars. Ah, ça va, hein, tranquille la vie mon gars. Le mec il est posé quoi. Genre, bonjour, j'ai une maison au bord de la mer. Oui, je suis en ville, mais au bord de la mer. Les avantages d'être en ville, avec les désavantages, bien entendu, tout en étant au bord de la mer, c'est la classe. Pas assez d'employés, bah ouais, effectivement. Il faudrait tout simplement qu'on ait des nouveaux qui débarquent. Épicerie du coin, ça fonctionne, on va dire, relativement bien pour l'instant. Pharmacie, très bien. La pharmacie est jolie. C'est vrai qu'on sait pas, on n'a pas fait beaucoup de zoom sur la ville. Ah oui, d'accord. Magasin général. D'accord. Oh, c'est vrai, vous vous souvenez, des fois, il y avait des trucs comme ça, des panneaux qui tournaient comme ça, en forme de cône et tout. Ah, ça me rappelle la plage et tout, Dieppe, tout ça. Pour ceux qui sont de Dieppe, youh, pampelop. Quand j'allais à Dieppe, mon Dieu. Oh là là, à l'époque où j'allais encore à la mer, quoi.
Voilà, restaurant des affamés. J'aime beaucoup, on va regarder vite fait. Hop, Big Bite. Big Bite. Ok, bon, ça se construit tranquillement. Voilà, ça prend place. Hop. Bon, ici, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sexy, hein, niveau lavage de l'eau. Hein, il va falloir faire un truc, je sais pas comment on va pouvoir se démerder. Parce que ça va devenir noir, ici, ça va être la merde. Il va falloir trouver une solution. Quitte à racheter ce terrain et à tout foutre à partir d'ici. Voilà, vraiment. On est comment niveau traitement des eaux? Ouais, on est pas mal pourtant, hein, franchement. Mais on rejette de la sale merde, quoi. C'est pas cool. C'est pas cool. Ok, bah là, franchement, aïe, c'est un peu compliqué. Oui, j'ai des douleurs, faut pas se poser de questions. C'est un peu compliqué. Tac, tac, tac. Là, on est un peu kéblo, quoi. On est un peu kéblo et j'avoue, c'est pas super. Là, il y a des bureaux, ça marche bien. Là, ils empruntent le truc, ça marche bien. Super. Et là, c'est un peu tout vide, quoi. C'est un peu tout vide. Ça met un peu de temps à s'installer. Je crois que d'ailleurs, on va commencer du coup à réserver le terrain ici, hein, du coup, tout simplement, hein. On va faire nos routes, notre petit business et on va voir comment ça se trame. Hop. Tac. On va essayer de faire un truc un peu stylé. Je sais pas, j'ai envie de pas forcément travailler dans l'optimisation, hein. Et travailler aussi dans quelque chose de sympa. Hop. Sachant que ma souris fait des trucs bizarres, j'ai une nouvelle souris en fait. Et en fait, j'ai un bureau. Pour vous imaginer un peu le délire, j'ai un bureau, mais en fait, sur ce bureau, il y a des espèces de nœuds de bois. Je sais pas si vous voyez un petit peu le truc. Et ce qui se passe, bah, c'est que du coup, en fait, bah, à chaque rainure du bois, la souris étant sensible, et bah évidemment, voilà, elle me fait faire des gestes que je ne désire pas forcément. Hop. On va laisser ça comme ça sans la relier. Et là, on va commencer tout simplement à faire ça bien. Hop, quand même, faut un peu optimiser, faut pas déconner. Sans non plus rentrer dans l'excès, mais si je mets 4 pauvres maisons là-dedans, ça va pas être super sexe. Mais disons que si je fais ça bien, ça peut être sympa. Hein, on va essayer aussi de. Hop, voilà. Il y a moyen, hein, non? Franchement, je trouve ça cool là. Eh, c'est plutôt sympa, je trouve. Non? Oui, non. Hop. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire au passage. Les arbres repoussent instantanément, c'est magnifique. Quand même loin de la capitale, enfin loin, en périphérie de la capitale, donc on peut se permettre de faire des trucs un peu fantaisistes à mon goût, hein, mon humble avis, à mon humble avis. Voilà. Oh, truc de merde. Ça me plaît pas, c'est pas assez beau ça. Hop. Voilà, et comme on n'est pas des connards, on va éviter de mettre des trucs là-dessous. Voilà, bon. On va peut-être ramener du jus dans la zone, il n'y a pas grand-chose. Bah tiens, hop, parfait. Hop, on va zoomer un peu. Voilà. Et voilà. On est pas mal. Ensuite, on va ramener de la flotte. Parce qu'il faut ce qu'il faut. Malgré qu'on soit riche, je m'inquiète de nos revenus hebdo.
Je vous le cache pas. Voilà. Il y a un bon réseau de flotte, hein, pour le coup. On est pas mal. Ok. Alors, faire un petit coin boutique par là, je pense. D'ailleurs, ça serait sympa de faire une sortie. Ouais, sinon on a bien géré le truc niveau des sorties là. Tac, tac, tac. Il y a quand même qu'une seule sortie possible. Elle est là. Faut qu'il monte pour redescendre. C'est un peu pas très sympa. Si seulement on pouvait mettre un rond-point ici. Non. Oui, allez. On se lâche là-dedans. Pendant que les jauges remontent, les jauges de besoin remontent comme ça. Hein. Ça me permet aussi un petit peu de temporiser le truc, les amis. Alors je réfléchis le sens, hein, excusez-moi. Bim. En espérant que ce soit bon. Alors. Allez, laisse-toi faire, bordel. Voilà, on fait une grande... C'est une grande sortie, ça, quand même, hein. C'est une grosse sortie, Toto, hein. Tu te lâches, Tony, fais attention, tu te lâches. Le gars, direct, il fait des sorties de ouf, on le sent plus. C'est n'importe quoi, hein. Là. Ouais, ça le fait, allez-y. Il faut également donc celle-ci à partir par là, donc celle-là évidemment va être un petit peu plus abrupte. Voilà, ça y a pas de souci pour celle-ci du coup. OK. Ensuite, on va du coup faire une route qui va monter. Hein. Il n'y a pas de secret. Je pense à un moment, il faut ce qu'il faut. Ah, tu veux pas, carrément, quoi. C'est genre... nope. D'accord. J'ai bien compris le message. Tu es très impoli comme rond-point. Droit, c'est bien aussi, ça marche bien des fois droit, c'est pas mal. On va faire avec ce que tu nous proposes, hein, pour le coup. Hop. Et atterrir en plein cœur de la ville. C'est foireux en fait, mon idée, je pense. J'aurais dû la mettre sur un axe vraiment vital. Sinon, ça va être un peu la merde. Ça, c'est la ménoie. Directement. Hop. Voilà. Ça me paraît pas mal, ça. Ça correspond bien au délire. Ok. Et du coup... Celle-ci, ça m'emmerde un peu parce qu'il n'y a pas d'axe en fait pour celle-là. Ils sont vraiment obligés de. Ouais, tu me diras au moins. Là, ça dessert, ils peuvent sortir et là, eux, ils peuvent monter faire le tour. Donc, ça reste correct. Quand même. On n'est pas non plus des connards, hein, ça va. Ok, donc pour moi, ça va le faire. Allez hop, ça, on va le virer pour l'instant. On va upgrader nos routes en autoroot. Voilà. Comme ça au moins il n'y a pas de galère. Ça, tac, 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 on est bien. Il n'y a pas de souci. Ok, moi ça passe. Voilà, pour moi ça passe derrière ça. Ça c'est cool. Bon, on l'a bien foutu. Je trouve que ça joli. Voilà. J'avais dit quoi? J'avais dit baraque ou immeuble, je sais plus. Ah,
Je sais plus du tout. Je crois qu'on a besoin de thunes, hein, honnêtement. On a besoin d'argent. D'argent. Je pense qu'on va faire un cœur en immeuble. Ça peut être sympa. Je sais plus ce que j'avais dit. Ah, je suis déçu. Je suis déçu, je ne sais plus. Il y a vraiment besoin de boutique apparemment aussi. Les boutiques, ça pousse pas. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Le seul truc, c'est que là, en fait, il y a des boutiques, mais il y a personne qui colle un cul, quoi. C'est un truc de ouf. Donc pour l'instant, on va laisser la jauge se faire un kiff. Ah putain, les... Ah, c'est un enfer, les bennes, là. Alors je sais que je dois investir dans... dans des incinérateurs, mais bon, ça coûte un peu cher, quoi. Donc faut aussi un peu temporiser de ce côté-là. Ça, c'est un accord, ok. Bon, on va du coup, enchaîner là-dessus. Mettre des maisons, des quartiers plus agréables à vivre, hein. Voilà, et voilà. Hop, nouveau quartier, nouvelle maison, bonheur, bonheur, jouissance, tout ça. Hein. Voilà. Ok. Là, on est pas mal. On a dit qu'on foutrait de la boutique. Petit commerce, on n'est pas dans le bling bling power, hein. Hop, tac. Alors, j'aime pas forcément l'outil du pinceau, je vous l'accorde. Je suis mieux comme ça en fait, je suis désolé, c'est vraiment une habitude à moi, c'est une préférence, je suis désolé. Pour ceux à qui ça déplaît. Voilà. Bon. Ça va être fait. Donc on a commencé légèrement à populariser cette zone. Là, on a recréé 2-3 conneries quand même. Voilà. Par contre, ça serait vraiment pas mal, j'avoue, si on pouvait avoir une bonne augmentation, un truc qui fait que ça bouge. Parce que certes, on a des maisons qui se font, là, tranquillou. Mais il n'y a pas de truc sexy et notre jauge descend abondamment. Ça me fait peur. Malgré qu'on a de plus en plus d'habitants, hein, pourtant, hein, c'est ça le truc. Hein. Donc les boutiques se sont mises au point. Manifestement, ça passe. On va faire un cœur d'immeuble ici. Voilà. Et qu'ils viennent pas me dire qu'il manque de parc parce qu'il y a de la verdure tout autour, sans déconner. Ça devrait être pris en charge, je pense, ce genre de truc. Voilà. Voilà. Et le reste, on va mettre des maisons. Ça va être plus sympa. Je sais pas ce qu'ils vendent, mais ils vendent pas grand chose. Hein. Ça a l'air d'être assez tendu. Hop. Et hop. On va mettre ça avec, histoire de rester poli. Ok. Bon, pour l'instant, ça avance. De chaque côté, lentement, mais sûrement. On va atteindre les 100 000 peut-être ensemble, hein, les amis. Enfin, j'espère, du moins. Ça serait bien que ça bouge. Ce serait très intéressant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Les gens sont contents. Il n'y a pas assez d'employés, certes. Ah oui, ce sont des employés sans instruction. Effectivement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. J'aurais peut-être dû, du coup, mettre des gros centres commerciaux au nord. C'est moins sexy, certes, mais au moins, voilà, on aurait des employés adaptés à la demande. Voilà, très instruits pour le coup. À moins d'employer des très instruits, mais bon, peut-être pas le délire non plus, quoi. Peut-être que ça marche moins bien, du coup.
Ici, bah ouais, je suis au courant qu'il y a des manques d'employés, Doudou. Comment on va faire? Il faut attirer les gens dans le coin. Pareil, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de demandes. Bon, là, c'est pareil. C'est Bagdad, mais moins qu'avant. Du coup, ça peut être intéressant. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un incendie et on a des maisons abandonnées. D'accord. Pas assez d'employés, toujours. C'est vraiment compliqué. On va essayer d'attirer un petit peu en faisant des bureaux, mais ce sont pareil des secteurs qu'il faut remplir. Peut faire une barre hein, ici de. Mais ça fait du bruit quoi. C'est ça la problématique. Et là, je voulais vraiment un coin plus tranquille. Du coup, on va enlever ça. Et peut-être qu'en mettant ceci, ça va attirer les bons gens, les bonnes personnes. On va bien voir si ça se construit après tout. Ouais, ça se construit. Après, c'est comme tout, hein, il faut mettre des gens dedans, hein. Hop. Voilà. Ok. Du coup, ça se construit même plutôt vite. Ah oui, il n'y a pas de jus. Hop. Ça au-dessus. Et voilà. Ça y a du jus au moins. Ça c'est fait. Il y a des maisons qui se construisent. Oui, ça se construit. Oui, ça y est, on a nos premiers habitants. Ouh là 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 là. Chant des oiseaux. Ok. Ok. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bon, regardons un peu de haut, à commence à avoir de la gueule cette ville quand même. Hein, ça commence à envoyer du pâté, faut le dire clairement. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Plus d'espace, cimetière plein, il y a trop de morts. Ici, qu'est-ce qui se passe? Cimetière plein, oh mince, c'est pas possible. Hop. Ok, donc du coup. Bon, on va se regarder ça rapidement. Là, ça a construit très bien. Fonctionne normalement. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut faire, hein, clairement. Hein. C'est qu'on a une ville tellement instruite qu'il faut plus travailler sur les centres commerciaux que les petits magasins. Tout simplement. Et on en a l'exemple. Hein, voilà, on a des très instruits. C'est pas ce qu'attend ce type de bâtiment, hein, clairement. Donc, bon. On va bien voir comment ça tourne. Ici, il n'y a pas de roquette, j'ai cru, mais non. Hop, le train, c'est clair qu'il faudra essayer de le faire pousser par là. C'est jamais. Mettre une gare dans le coin, quoi. Parce que c'est vrai que le réseau ferré n'est pas vraiment développé dans la ville. En même temps, ça coûte un peu cher, hein, un réseau ferré. Hein. C'est assez onéreux. On l'utilise beaucoup pour les marchandises chez nous. Pareil, ne fonctionne pas, il n'y a plus personne. C'est compliqué. Pas assez d'employés. Chez nous, il y a trop de travail, alors qu'en France, il y a trop de chômage. Ça s'est placé. Hop. Bah, du coup, les amis, ouais, là, ça a construit de la maison. Plutôt posé. On a encore gagné les 1600 personnes dans notre ville. Les gens ont compris que c'était agréable ici, hein. Ils n'hésitent pas à s'y mettre. Ils ont bien raison. Ils ont franchement bien raison. Hop.
Ok. Bon bah les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Moi je vais laisser un petit peu tourner la ville en autonomie, tout simplement pour bah, qu'on ait des jauges et de quoi faire pour le prochain épisode, hein, tout simplement. Je vous remercie d'avoir maté celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des solutions pour que les jauges remontent. Je sais que vous me l'aviez déjà dit, mais j'avoue avoir totalement zappé. Je m'en excuse, hein, ça arrive. Et surtout, bah, dites-moi ce que vous pensez de ce truc. Voilà, clairement, s'il vous plaît, si vous trouvez ça cool ou pas. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao!